Je ne suis pas trop dans mon assiette, je suis près d'une gloutonnerie. Je me suis fâchée avec Linette pour une histoire de sucrerie. Mais les placards ouverts, hélas, me réservent un autre chagrin qui va à la chasse perdre sa place. Mon frère a tout pris sauf les grains. Alors je remplis mon assiette de la plus joyeuse des recettes, celle qui colore les jours de fête. Je n'en gaspille jamais une miette. Ma mère en rentrant fait la tête. Oui, j'ai sorti tout l'attirail. Un ouragan ou une tempête fait d'une cuisine un champ de bataille. Alors pour lui donner bonne mine, lui dit qu'on devient ce qu'on mange. C'est une histoire de vitamines, avec une orange tout s'arrange. Et puis je remplis son assiette de la plus joyeuse des recettes, celle qui colore les jours de fête. Je n'en gaspille jamais une miette. Et puis je remplis. Allons voir les alternatives qui gèrent mieux les ressources en eau de l'agriculture intensive. Allons voir les forêts gourmandes, goûtons-les, allons les planter. Tous ces jardins qui se répandent pour qu'on puisse mieux s'alimenter. En attendant donc nos assiettes, préparons-nous de belles recettes, celles qui colorent les jours de fête. Jamais une miette. En attendant dans le verre d'assiette, salade, brocoli, yaourt, de yaourt, recette, tomates, carottes, Nicolas, le jour de fête, un citron parfait, un gaspillage pour avoir une miette, du wasabi. Sans emballage et sympathique, les poissons n'aiment pas le plastique. Moins de chimie pour les abeilles qui pollinisent les groseilles. De préférence bio et local. En vrac, apporte ton bocal. Pour le compost, les épluchures nourriront les légumes futurs. Organisons.